Asaji Mais Bhagisho Jime Toro Toro Rirani Jene Degyan Donc j'espère que vous avez bien examiné les uns les autres avec ce regard-là. Dans le sème dans l'ola. Ce tatsul qui parce que il est clair que quand on se rencontre entre nous, donc les uns les autres, il est clair que l'on fait des notre esprit fait des différences entre les uns les autres. Et quand bien même il n'éprouve pas d'antipathie forcément en fait vis-à-vis de quelqu'un. Non, mais il n'empêche qu'il éprouve notre esprit, donc il éprouve vis-à-vis de certains êtres. Il a plus de plaisir, voilà, être au contact ou de voir certains êtres que d'autres. Et le fait est qu'il en est ainsi. Tant que l'on est dans le samsara, tant qu'on se trouve dans le samsara, il en est et il en sera ainsi. C'est-à-dire que les choses se passent rarement, en fait, comme on le voudrait. En fait, l'on ne fait pas forcément les expériences que l'on souhaiterait faire, ça c'est très rare. Les expériences de bien-être, donc de bonheur, elles-mêmes sont rares aussi. On entend de bonheur ici temporaire, s'entend, mais sont rares elles aussi. Et l'on rencontre donc essentiellement donc des choses qui nous sont indésirables, que nous ne souhaitons pas. Quant à ce que nous voyons, nous entendons ou autre, quant à ce dont fait l'expérience également, à ce que ressent notre corps, par exemple, à ce dont il fait l'expérience aussi. Donc ici, qu'est-ce qui est à retenir de tout cela, c'est que tant que donc dans le samsara, tant que nous souffrons, dès lors que nous souffrons, quand nous rencontrons une souffrance, c'est d'amener notre esprit à en être le moins importuné possible finalement. Et d'amener notre esprit à être le moins en fait agité, troublé, impacté, affecté, comme vous préférez, par cette souffrance, mais au contraire d'utiliser notre esprit pour faire quelque chose de cette souffrance, en fait. Au contraire, nous en servir. Non. Et donc, parce que si l'on arrive donc à regarder en fait ces différentes choses désagréables, douloureuses, pénibles, etc., si on arrive à les regarder et à méditer finalement dessus, ça nous sera le plus utile possible, le plus bénéfique possible.
Et si l'on s'en tient aux deux derniers vers de la strophe 12, sans souffrance, point de renoncement, sois donc constant, toi mon esprit. Parce que si, alors que nous rencontrons des souffrances, si nous restons là en être très affectés, finalement très mal à l'aise, et agissons en fait sous l'emprise de ce mal-être, ben, finalement cette expérience de souffrance-là nous nuira plutôt qu'autre chose, en fait, va nous causer du tort plutôt qu'autre chose. Mais quand on entend ici donc méditer, par exemple la souffrance, c'est-à-dire que lorsque par contre on fait donc une expérience de souffrance, plutôt que simplement d'en être impacté finalement, d'en être affecté et de rester finalement dans le fait d'en être ainsi affligé, lorsqu'on en fait l'expérience, c'est de s'interroger, de se dire, mais cette souffrance finalement, là je suis contraint d'en faire l'expérience, pour quelle raison? D'où est-ce que cela vient? En dépendance de quoi? Et cette réflexion-là, donc de l'expérience de la souffrance, va m'amener à développer le renoncement. Et lorsque l'on parle ici de souffrance, hein, chaque fois que vous entendez ce terme de souffrance, ne vous cantonnez pas en fait simplement aux expériences qui relèvent de la souffrance, mais pensez vraiment beaucoup plus vaste que ça. C'est-à-dire autant les souffrances de la souffrance que les souffrances du changement, que les souffrances inhérentes à l'existence conditionnée, souffrances omniprésentes, qui sont finalement qui constituent le socle même à partir desquels vont pouvoir s'exprimer les deux autres types de souffrances, de souffrance de souffrance et souffrance du changement. Cette souffrance inhérente à l'existence conditionnée, en quoi consiste-t-elle foncièrement? En le fait d'être ainsi ligoté en fait, par nos karmas et nos perturbations. Et il en est ainsi que la présence de nos karmas et de nos perturbations nous conditionne de telle sorte que dès lors qu'une condition aussi infime soit-elle est rencontrée, immédiatement en fait, une expérience de souffrance est vécue, en fait, est expérimentée. Parce que la souffrance s'élève en fait, justement ainsi si facilement. Quand on dit finalement explorer, donc regarder ou méditer, on préfère ici l'expérience de souffrance, c'est à travers peut-être cette expérience de souffrance ou de souffrance du changement, explorer en amont cette souffrance inhérente à l'existence conditionnée et de voir que finalement, tant que nous serons ainsi liés à nos karmas et nos perturbations, donc tant que nous connaîtrons finalement cette souffrance inhérente à l'existence conditionnée, non seulement elle
servira en fait de base finalement à l'expression des souffrances du changement et des souffrances de la souffrance, mais également elle va servir de cause, c'est-à-dire qu'en dépendance d'elle, donc en dépendance de ces karmas et perturbations qui nous conditionnent à réagir ou agir de telle ou telle manière, nous créons de nouvelles causes de souffrance du changement et a fortiori donc de souffrance inhérente à l'existence conditionnée. Donc c'est lorsque notre esprit a exploré finalement cette expérience désagréable là que l'on fait de souffrance, qu'il a une possibilité, oui, d'engendrer le renoncement, de développer cette aspiration qui est le renoncement. Et donc c'est cela qu'il nous faut entendre lorsque Shantideva, dans cette dernière partie de la strophe 12, nous dit « Sois donc constant, toi, mon esprit ». Par constant ici, alors j'ai pas le temps, un petit bêtement, c'est cette notion de patience, en fait, c'est-à-dire, mais patience comme en la comprenant bien, comme on l'a déjà expliqué. Donc. Et donc, des kadam geshe, ta loi. Et c'est dans ce sens, et uniquement avec cette compréhension-là, qu'on peut maintenant entendre, en fait, ce conseil délivré par les Geshe Kadampa, qui nous disait « Accueille volontiers la souffrance, en fait, finalement. Réjouis-toi, quelque part, de la souffrance. » Parce que la souffrance, il nous disait, est le balai, on pourrait dire littéralement, qui élimine les méfaits, enfin, ou en tout cas les karmas non vertueux, en fait, qui nous permet de d'éliminer nos karmas non vertueux. Gewe Nadin. Nadin. Gewa Jumel Kumachinis. Non seulement donc la souffrance est un balai donc pour les méfaits, mais également c'est un aiguillon de la vertu. Donc qui nous pousse, nous stimule en fait à agir de façon plus vertueuse. Dans l'offrande au maître spirituel, Losancho Kigalsen nous dit « Le monde et ses habitants pleins des fruits de leurs méfaits. Feraient-ils s'abattre sur moi une pluie de souffrances indésirables ? J'implore votre grâce afin de les voir comme autant d'occasions d'épuiser mon karma négatif et prendre toutes ces conditions hostiles comme chemin. » Et là, il nous montre en fait, se faisant très très facilement finalement, comment en fait nous pouvons amener toutes ces, non, en l'occurrence ces conditions hostiles ici, c'est-à-dire toutes ces expériences de souffrance, comment nous pouvons nous en servir comme un aiguillon, un stimulus de la joie, par exemple. Et la strophe 13 continue en disant « Si les adeptes de Durga et ceux du Karnapa endurent absurdement les brûlures et les mutilations, alors pourquoi suis-je si pleutre quand il s'agit d'obtenir la libération ?» Donc
Alors, si on veut ici juste extraire l'essence finalement de cette strophe, qu'est-ce que nous dit Shantideva? C'est qu'on est prêt finalement à s'infliger, à supporter des souffrances, voire à s'infliger en fait des souffrances pour des raisons mineures finalement, pour des raisons vaines même complètement. Alors qu'on est capable de faire cela pour des raisons mineures ou vaines, comment peut-on comprendre qu'on soit incapable de le faire pour quelque chose donc d'aussi finalement essentiel que de nous extraire du cycle? En l'occurrence, donc, nous parvenir à la libération. Si on rentre plus précisément dans la strophe, Shantideva fait référence ici aux adeptes de Durga. Donc, si on regarde notre commentaire, ces adeptes donc qui, en fait, Durga n'étant autre que la femme de Shiva, donc en foi donc en la déesse Uma, donc qui n'est autre que un autre épithète pour Durga, et ce sont des ascètes, donc enfin des adeptes ou des ascètes qui s'adonnent à différents types de mutilations, donc en particulier se transpercer avec un trident par exemple ou d'autres formes donc de mutilation, de brûlure ici, etc., en vue donc de parvenir, de purifier en fait leur corps, leur esprit, en vue d'atteindre donc des renaissances divines en fait quelque part, et ou en vue de se libérer. Shamlayan son songé ni pas dit. Non, c'est pas. Et donc, de tels adeptes, donc, ou encore ces adeptes du Karnadapa, qui sont susceptibles donc, de se mutiler donc, très, très lourdement, de se blesser au niveau du cou, par exemple, ou de se trancher en fait, les mains, enfin, ou une main ou un doigt, comme offrande, par exemple, donc de le faire avec une raison, pas de faire ça pour rien, pour rien, de leur point de vue, mais de faire ça avec une raison, mais finalement des raisons qui sont au fond vaines. On voit que des êtres sont en mesure donc d'endurer de telles souffrances pour des raisons aussi vaines. Donc comment se peut-il qu'on soit incapable de supporter des souffrances infiniment mineures finalement, non pas simplement quand on dit libération ici dans le seul but de nous libérer nous-mêmes, mais même en vue d'être de conduire tous les êtres en fait à la bouddhéité. Comment, au vu d'un tel objectif finalement, ne pas être capable d'endurer donc de supporter des souffrances plus infime que cela, plus mineur que cela. Là, parce que l'aspiration ici, donc, c'est pas simplement notre seule libération, encore une fois, mais c'est la libération de tous les êtres, donc nous-mêmes y compris, mais de tous les êtres. Mmh.
Et donc, parvenir à un tel objectif aussi vaste, donc oui, va nous confronter à de multiples épreuves, de multiples difficultés, de nombreux types de souffrances, indiscutablement, mais qui méritent ô combien donc, d'être endurées au vu de leur objectif. Mais c'est difficile. C'est difficile, pourquoi ? Parce que tout simplement, nous manquons d'entraînement, en fait, de familiarisation avec ces différents états. Pourquoi est-ce si difficile aussi? C'est parce que notre esprit est finalement uniquement tourné vers cette vie-ci. Il ne fait que contempler cette vie-ci en y étant foncièrement attaché et attaché en fait à espérant toujours en fait un bien-être, un bonheur dans cette vie-ci. Il se cantonne à cela en fait. Cette pensée que je m'en tire bien ou que je m'en sorte bien ou que j'obtienne telle chose ou voilà, que je sois reconnu, que je reçoive toute la reconnaissance dont j'ai besoin, etc. Ça, ce sont des pensées dont il est très difficile de se défaire, en fait, auxquelles il est très difficile de renoncer. Le temps de tout en et objectivement, c'est on n'y arrive pas à renoncer à de telles pensées. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est entraîner notre esprit, lui donner l'habitude, l'amener à prendre un autre pli. Et c'est à ce stade que Shantideva nous dit, grâce à la familiarisation, il n'est rien qui ne devienne facile. Aussi, grâce à l'habitude aux moindres mots, on en vient à tolérer les plus grands. Et c'est exactement notre cas de figure, c'est-à-dire ce qui nous manque, c'est de l'entraînement, en fait, de la familiarisation. Plus on aura entraîné notre esprit, plus on l'aura rodé, plus il se sera familiarisé, et plus cela va devenir une habitude, quelque chose qui lui sera naturel. Et ce que nous Et ce que nous indique ici, finalement, Shantideva, c'est la manière de procéder. C'est-à-dire que cet entraînement, encore une fois, il va falloir nous y adonner très progressivement. Nous sommes peu habitués à quelque chose, donc ça va être de prendre l'habitude de quelque chose de façon très graduelle, très progressive. Et de commencer, en fait, comme il nous dit, commencer, en fait, par... essayer de développer d'amener notre esprit à ne pas être affecté par de petites choses qui lui sont désagréables, en fait, par de petits mots, en fait, ici et où là. Voilà. Et c'est de cette manière-là, en l'habituant à ne pas être impacté, ne pas être affecté par des petites choses désagréables, que petit à petit, il sera en mesure donc de ne pas être impacté par des plus grandes. Et on commence par exemple par quoi ? On entend une parole qui nous est désagréable, un mot qui nous est désagréable. Mais par exemple, c'est de commencer par là. On pourrait dire qu'il nous est moyennement désagréable, peu importe, on peut tout faire des gradations, mais qu'il nous est moyennement désagréable, et de commencer par
manière-là, à entraîner, à amener notre esprit finalement à ne pas être affecté par cela. Parce que finalement, cette parole ne touche pas notre esprit comme elle l'aurait fait sinon autrement. Et d'amener ainsi notre esprit à s'exercer ainsi à la patience, donc sur la base donc, de cet exemple-là. Pour arriver ensuite, progressivement, grâce à l'habitude, à pouvoir jusqu'à donner, donc, tel que nous disent les textes dans le cas des grands bodhisattvas, jusqu'à pouvoir donner, par exemple, leur corps sans que ça n'en affecte du tout, donc sans que ça ne les perturbe de nullement. Et Shantideva cite des exemples donc dans les deux strophes suivantes lorsqu'il nous dit « Ne voyez-vous pas que c'est le cas pour les douleurs infimes telles que celles des serpents ou des taons, les sensations de faim et de soif et autres démangeaisons ? Je ne serai pas irrité par la chaleur, par le froid, la pluie et le vent, par la maladie, la captivité et les autres coups, sinon les maux augmenteront. » Et ce qu'il suggère, donc, en effet, c'est de faire en sorte que, à travers ces différents exemples qu'il a cités, qui sont finalement des exemples d'expériences désagréables, de petite intensité finalement, ou d'intensité très très modérée en tout cas, il nous amène en fait à entraîner notre esprit à ne pas de suite être impacté, de suite être affecté en fait par le désagrément en fait procuré par la rencontre donc de tel ou tel ici animal, que ce s'agisse des serpents, qu'il s'agisse des taons ou des moustiques par exemple, lorsque on est en de quelque part supporté, de nous entraîner en fait, d'amener notre esprit dans la mesure où il s'agit de petits quelque part de petites nuisances potentiellement, de ne pas être nous entraîner à ne pas être affectés donc de suite par leur présence, tout comme la faim, tout comme la soif. Dès qu'on a un peu faim, on a un peu soif, de tolérer, d'amener notre esprit petit à petit à tolérer en fait cet inconfort suscité par la faim ou la soif. Pour ce qui est pareil
lorsqu'on a une démangeaison, immédiatement, de ne pas chercher en fait, à se gratter, mais de tolérer, un tant soit peu, pareillement, un tel inconfort. Et tout comme la chaleur, donc les aléas donc de la température ou de la météo, de supporter, finalement, de s'entraîner, pareillement, à supporter une certaine intensité de cela, sans que notre esprit, en fait, lui-même, n'en soit affecté, n'en soit troublé ou agité d'une manière ou d'une autre. Puis ensuite, pouvoir s'entraîner donc à la maladie, de la même manière, voir la captivité, le fait d'être en détention, d'être privé de liberté ou de prendre des coups. C'est-à-dire, c'est l'attitude intérieure, hein, c'est de faire en sorte de ne pas être affecté pour que ne s'élève pas donc, hein, irritation, colère, etc. C'est toujours bien le remettre en perspective. Et si l'on agit ainsi, parce que si l'on ne s'entraîne pas donc, ainsi à ne pas être impacté, à ne pas être aussi troublé, affecté par ces différentes formes donc de petites nuisances ou de petits inconforts, alors ceux-ci donc, prennent des proportions et ces petites difficultés deviennent insupportables, deviennent très difficiles et donc il nous sera par la suite impossible en fait, de tolérer donc, des maux plus grands que cela ou des nuisances plus grandes que celles-là. Andrés? Madrid del Ciatanes. Mon beau Tanger. Jul. Là, on a chez ça, j'ai. Pour ce qui est des serpents, personnellement, encore, ça me. Voilà, j'aurais peur. Ça, ce sera ma réaction, ma première réaction. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit en fait en soi et autour de soi. On voit en fait les uns les autres qui ont un courage ou une force mentale plus ou moins importante et qui tolèrent en fait plus ou moins bien différents inconforts ou désagréments. Et on peut se rendre compte de la force mentale, du courage mental d'un être à sa capacité finalement de réellement ne pas être affecté. Ça ne veut pas dire de serrer les dents, mais dans ce sens, de vraiment ne pas être affecté finalement, ne pas être ébranlé intérieurement par une souffrance importante. Certains, par exemple, vivent des difficultés, des souffrances extrêmement importantes sans en être en fait impacté, sans en être affecté en fait. Alors que d'autres donc ne supportent pas la moindre, en fait, sont très agités, très troublés à la moindre difficulté, au moindre désagrément. Et justement, à propos de cette force mentale dont il est question, Shantideva ici élabore en disant « Certains, lorsqu'ils voient leur propre sang, redoublent de courage et d'assurance, tandis que d'autres, à la vue du sang d'autrui, défaillent et s'évanouissent. Cela vient de la disposition donc déterminée ou timorée de leur esprit. » Tangmeda sem marche jonda dindes yong thoborwa khashi so so lubune tha thing bai ne thando be sem na chal tru yong borwa khashi mi chen da tha thung yo thong di dagara de she ni dan ni o dinde jing ala ni pe sa de thang she ni yong ya da ta di ri lu la di da she ni ri ya da ni ja yong borwa khashi ka ru khashi she mo wa tha thong wa de ni ri lu mo de yong do khashi konta Chatong
지난 시에는 용적으로 와. 암직이 갈라기다. 암직이 미 가시 되는 용도에 어떤 거로. 요래. 김선생님 뭐. 좀 내신 뭐야. 나 시에는 이제 라셔. 나 시에는 이제 라셔. 제가 나 더 와서 그거. 얘는 나 시에는 이제 그러나 이 인자 쌤 마르체 좀 잡아기 내리 지금 뭐래. 그 말했어. Je crois qu'on a lu la strophe. Oui. Et donc là, il y a en effet une différence en fait de force mentale entre les uns les autres. Quand certains voient leur propre sang, non seulement ils n'en sont pas affectés, mais même ils se sentent encore plus. Alors il y a des contextes certes, mais ils redoublent de courage et d'assurance, comme il est dit ici, dans certains cas. Alors que d'autres donc défaillent, donc voire s'évanouissent à la vue soit de leur propre sang, soit du sang d'autrui. Alors je ne saurais pas dire quelle est la raison. Qui amène, on peut imaginer que c'est la peur qui peut, dans certains cas, qui peut susciter finalement cette défaillance, cet évanouissement. Il peut y avoir d'autres choses, je ne saurais pas le dire. Il y a en fait tout cet éventail finalement de réactions possibles dans le même cas de figure, devant le même cas de figure. Alors, je mentionnais à Geshe-la que quelqu'un avait posté sur le chat une proposition en disant est-ce que ça pourrait pas venir du karma, en fait, que les uns défaillent alors que les autres non. Et Geshe-la donc de répondre, mais en fait, si la défaillance est due à la peur, par exemple, la peur elle-même vient de prédispositions, effectivement, qui viennent du karma. C'est peut-être quelqu'un qui s'est trouvé dans des circonstances similaires qui étaient particulièrement angoissantes dans des existences passées et qui a la vue à nouveau, par exemple, simplement du sang là, dans un contexte qui en lui-même peut-être pas dramatique, mais peut-être réévoque ça et suscite en fait cette défaillance. C'est possible. Et donc, justement, donc, vous qui venez d'intervenir là sur le chat, je crois que j'avais vu Jacqueline, mais j'étais sûre, pas sûre. Vous parlez du karma, et alors oui, alors là, ô combien, si en effet, lorsque, en relation justement avec ce que l'on rencontre d'agréable comme de désagréable, chaque fois cette expérience-là peut nous ramener en fait au karma, peut ramener notre esprit à la compréhension du karma, alors ça, c'est l'idéal, c'est excellent. Et cela affectera notre esprit infiniment moins, en fait, fera qu'il se sente infiniment moins troublé. Et l'amènera à être beaucoup plus enclin, en fait, à la vertu, beaucoup plus tourné vers la vertu. Est-ce parce que ça, en fait, cette réaction-là, donc du coup de voir l'esprit beaucoup plus enclin à la vertu, naturellement plus tourné finalement vers la vertu, est un signe en fait qui traduit déjà un certain degré d'intégration en fait de cette loi du karma et de ses effets. Donc, j'en profite pour le glisser là, mais justement, donc amener votre esprit absolument. Encore et encore sur la compréhension de cette loi de cause à effet, du karma et de ses effets, pardon. Karma et ses effets. Oui. Le karma et ses effets. Les résultats du karma. Le karma et ses résultats, c'est pareil. Les effets ou les résultats, c'est pareil. Ou les fruits, même, vous avez quelquefois. Les fruits du karma. Voilà. Les fruits du karma utilisés. Ah non, vous ne pouvez pas dire ça, Geshe-la. Il vous faut dire le karma le et fruit, ses fruits. Ses fruits ont. Alors, ça, je vous dis, non.
Parce que pour ce qui est des fruits ou des résultats ou des effets, non du karma, ça c'est de ce, c'est ceux dont nous faisons l'expérience instant après instant. Pour l'heure, toutes les expériences que nous faisons, que ce qu'il s'agit d'expériences agréables comme d'expériences désagréables, toutes ces expériences ne sont jamais que les résultats, les fruits ou les effets en fait, de karma que nous avons accumulés antérieurement. Et ça, c'est extrêmement important de développer une certitude personnelle de cela, d'être convaincu réellement de cela. Parce que plus cette certitude de ce point-là va s'ancrer dans notre esprit, et plus nous comprendrons effectivement que nous serons propulsés, en fait, dans ce qui est Wajima. Donc plus cette certitude va pouvoir s'ancrer en fait à ce moment-là que nous faisons l'expérience là de résultats en fait de karma que nous avons accumulé antérieur à travers l'expérience que nous vivons et plus lorsque nous penserons à nos existences à venir plus notre esprit sera enclin justement à mettre en œuvre en fait des causes donc de résultats vertueux enfin d'expériences en tout cas agréables donc. Et ici, finalement, le conseil essentiel qui a été délivré ce matin, quel est-il ? C'est d'emmener notre esprit, donc de l'entraîner pour l'amener à être le moins affecté possible, le moins impacté, troublé possible par quoi que ce soit dont il fasse l'expérience. Quel que soit l'objet qu'il rencontre, quelle que soit la souffrance, la difficulté qu'il endure, quelle que soit l'expérience agréable qu'il connaît, de faire en sorte que cette expérience-là impacte, affecte l'esprit le moins possible, en fait. Ça, c'est tout le propos, en fait, des conseils de ce matin. Et donc, fort de ces outils-là, donc, vous pourrez de façon saine développer la patience. En fait, vous entraîner en fait, à développer la patience. Et donc, bonne méditation. Sangye jingdu mite pilwa yin roku namda jing la chupa hoi namo rat namanda rakam de yataya. Suina ki kyom maje yine nansi di gyanja gyune ina katu ina tutsu tes ke bari yorwa tu sante kenani nyamtu yon ki maje yoshi me do ta nita nishi nishi lagtu je karesna korang geshila tan nyamtu joye ki tapse che parwa yine yon tu ki maje Geshe-la taquine Christian, en fait, parce qu'il a ralenti, etc. Mais j'explique que c'est la rémanence, en fait, qui est avec le temps par les connexions Internet. Donc, on ne peut pas avoir le son en même temps. Donc, il y a un décalage. Donc, tu n'arriveras pas à le rattraper ou inversement, Geshe-la te rattraper. Allez, merci beaucoup. Et bon appétit, bonne méditation. Et à tout à l'heure. Bon dîner, Geshe-la. Bon dîner, d'accord. Bon dîner pour vous. Merci. À ce soir. Exactement, c'est ça. Ah oui, à tout à l'heure, oui, à ce soir. À tout à l'heure.